Yo tout le monde, c'est Drudy, on se retrouve pour une vidéo encore de Don't Starve. On continue le let's play. Je tourne cette vidéo directement à la suite parce que pour moi 3 jours c'était trop court, j'ai encore envie de jouer, d'être avec vous. On va passer la nuit tranquillement. Vu que j'ai pas mal d'étoiles d'araignée, je vais me refaire un petit chapeau et ce coup-ci je vais essayer de le surveiller. Parce que là, c'est l'hiver. Alors l'hiver, le calvaire de l'hiver, c'est la santé mentale et le froid. Vraiment, sans parler du géant de l'hiver. Le géant de l'hiver, lui, il tabasse sévèrement aussi. Là, honnêtement, vous allez être gâtés. Alors on avait dit, enfin j'avais dit dans la vidéo précédente qu'on allait aller chercher plein de cochons pour aller se buter cet enfoiré de fake coalifant. J'étais trop content, j'avais trouvé une trace et en fait c'était un coalifant. Enfin c'était un garou coalifant, j'en sais rien ce que c'est. C'est la première fois que je tombe sur lui en solo. D'habitude je tombe toujours sur un coalifant. Alors, on va se dépêcher parce que quand c'est la tombée de la nuit, ils sont en mode panique les cochons. Allez, les cochons, tiens. Voilà, ils sont contents. Alors, faut pas leur en donner trop, hein. Si vous leur en donnez trop de la viande de monstre, ils se transforment en cochon-garou et c'est pas cool, les cochons-garous. Ok. On va se faire une petite armée tranquille. What, la pluie, j'avais pas vu à quel point. Bon, il va falloir faire vite parce qu'on est trempé, hein. Allez, les cochons. On va les tabasser ce monstre-là. Elle est violente la pluie là, on se croirait au printemps. La petite graine là au passage. Hop. Ah, faut aller vite, hein, faut aller vite parce qu'à la tombée de la nuit, ils vont se disperser. C'est un peu chiant. Ils sont un peu lents d'ailleurs. Faut vous dépêcher, les gars. Ah non, non, non! Oh non, ils vont tuer mon arbre. Je vais me mettre sous l'arbre, écoute, hein, pour prendre un peu moins de pluie. Je suis dégoûté, ils vont tuer mon seul sapin. Il était trop bien mon sapin pour le géant. Oh, adieu mon géant. Oh, ça c'est bon ça. J'ai cru qu'il allait me mettre un coup à moi. C'est pas moi qui t'attaque, Coco. Ah bien, ils l'ont bien encerclé, hein. Hop. Allez, on trace, les gars. Et en plus, ça caille là. Ça va être la nuit, ça va être trop tard. On a perdu trop de temps, du coup. On a perdu beaucoup trop de temps. J'espère qu'ils vont pas s'attaquer à la grenouille. Ça va être trop tard. J'ai trop froid là par contre. Ouais. Je sais pas s'ils se servent dans les frigos, ces enfoirés. Bon, du coup, on va espérer qu'il reste ici. J'espère qu'il fouille pas dans les coffres et tout ça. Parce que je crois qu'à une époque, il le faisait ça. Du coup, je vais prendre le parapluie et je vais le réparer aussi. Alors, comment ça marche déjà? Voilà, ok, tac. Je vais prendre mon parapluie sur moi. Et je vais me sécher. J'espère qu'ils vont rester là toute la nuit, hein. Oh là là, la flotte elle retombe à donf. Bon, il nous a fait perdre du temps cet enfoiré. Pardon. Bon, pareil, du coup, la viande de monstre je peux la remettre au frais. Ça, bah, je vais le manger. De toute façon, c'est en train de pourrir. Je suis en train de tout perdre.
Oh, ils sont en train de manger dans mes frigos là. Bande de vilains. Là, voilà, du cuir de cochon. Je savais que j'en avais de côté. Du bois. Je le mets là. Et ça, je vais le mettre avec les vêtements. Ça. Tac, tac. J'ai plus que 6 de bois. Ça aussi, c'est embêtant. Il fait pas nuit. Hein. Ah, ils retournent tous chez eux. Ok, on aura perdu une journée du coup. On aura perdu une journée. Ok, bon. Puisque c'est comme ça. Non, j'allais dire, je vais me le tenter tout seul, mais si je meurs, c'est trop con. On peut pas respawn, putain. Je pensais qu'ils allaient rester, mais tant pis. Tant pis, tant pis. On va s'occuper du champ vite fait. Et il pleut plus, je peux reprendre. Ah, c'est trop triste. Bah, au pire, vous savez quoi? Je vais le laisser là-bas, ce monstre. Et je ramènerai le géant de l'hiver dessus, au pire. Alors, ça, c'est bon. J'ai pas replanté, je suis un abruti. Vite avant que la nuit tombe. Voilà, nickel. Tac. Une main. Va-t'en la main. Elle est là. Non mais oh. Ok, je vais reposer du coup le parapluie. Oh, on a perdu grave du temps en fait, tout ça là, les chiens de le géant du coup qui se trouvait sur la route. Oh là là, la catastrophe. J'ai plus rien pour me défendre contre le géant de l'hiver quoi. Et ça arrive vraiment bientôt. Je vais commencer à regarder si je peux pas me faire des vêtements chauds là. Si je peux me faire un bonnet déjà, on va faire ça. Ce sera déjà ça de gagner sur le temps. Un petit bonnet. Nickel. Et bah il manque plus que le blouson. Et pour le blouson, bah il me faut la trompe d'éléphant. Je vérifie quand même, on sait jamais, les recettes ont peut-être changé. Ah non, il me faut la trompe d'éléphant, ça c'est sûr et certain. Dommage. Dommage, dommage. Bon, déjà on a le chapeau. On a la beubar. Elle est vénère la beubar là, putain. J'aimerais bien que la mienne elle pousse aussi vite que la sienne, hein, putain. Quelques mois. Ouais, la santé mentale qui diminue. On va se retenter un. Non, je vais juste me balader. Je vais me balader, je vais essayer de trouver absolument une trace. Il me faut une trace absolument. Parce que là, on a vu, hein, ça commence à cailler sévère en soirée. Bon, là, il y avait la pluie aussi en même temps, vous me direz, mais. Allez, une trace, une trace. Mine de rien, on passe beaucoup de temps à courir dans ce jeu quand même. Bon, j'ai pas envie de faire le détour pour la pourriture là. J'ai pas vu, parce que si en hiver, faut savoir que rien ne repousse. C'est un peu comme l'été quoi. On perd pas mal de temps. Donc du coup, faut que je pense à refaire un peu mes stocks de d'herbes et de. Oh, vous me direz, j'en ai à la maison. Je vais pas. Je vais me focaliser sur la trace là.
J'aimerais vraiment en trouver une rapidement. Ah, du bois. Du bois. J'en ai plus à la maison non plus, donc faut absolument que j'en découpe un peu. Par contre, c'est dingue, toutes mes viandes, elles commencent à pourrir rapidement. C'est chiant. On coupe. Avec un peu de chance, on va refaire repop un copain. Timber. Il y a les tombes ici, j'avais zappé ça. Avec une pelle, dès qu'on aura une bonne santé mentale, on pourra venir déterrer de l'or ou des objets. Oh, un cadavre! À noter! Un cadavre par ici! Ah, c'est pas possible! Je veux une trace! La santé mentale est basse, donc je vais pas passer par le trou de verre. Je me rappelle plus où c'est qui ramène, tu vois. Des abeilles par ici. Il n'y a pas de nid d'abeilles pourtant. Ah, si, il y en a. On commence à voir les petites ombres là, les petites hallucinations. Saleté. C'est mal parti les amis. Ah. Oh. Maison de cochon. Oh. J'ai très mal exploré cet endroit-là, là. J'ai très très mal exploré cet endroit. Ah, si c'est ici qu'il y avait un trou de ver qui me menait vers un autre biome, je vais être vraiment triste. Là, il aurait tellement pu y avoir un biome de caillasse en plein milieu. Comment ça se fait que je suis pas venu ici, hein? Ok, ça c'est exploré déjà. Là, la température chute, hein, vous voyez là, 10 degrés. Dès qu'on va tomber à 0, on va commencer à avoir froid. Et là encore, on a le bonnet, donc ça va. Encore une maison de cochon à péter ici, qui est tout seul. Ça, c'est moi. J'ai dû passer, j'ai dû planter les graines parce qu'elles allaient périmer, c'est sûr. Pas de traces. En tout cas, maintenant je sais où je peux aller pêcher. C'est dans les petites mares qu'on pêche là. Faut faire une petite canne à pêche, tu pêches du poisson tranquille. Enfin, désolé, je regarde souvent la map pour essayer de bien combler les trous que j'ai pas visités. Sans aucune connotation sexuelle, bien sûr, je vous vois venir. Bon, en attendant, on a vraiment une map de merde quand même.
Vous savez quoi, je vais m'arrêter là pour la nuit. Je vais couper du bois. Puisque je suis un peu en galère de bois. Tant qu'à faire. Autant récolter. On va optimiser le temps. D'ailleurs, il reste plus qu'une journée déjà, si j'ai bien compris. Ça passe trop vite. Ah, génial. J'avais oublié que j'avais une hache normale. Petite hallucination là. On se calme, hein. Reste tranquille, c'est que l'hiver. C'est rien l'hiver, on a juste un peu froid. C'est cool, on passe ses journées devant la cheminée. Au chaud. On fait des bonhommes de neige. C'est la panique dans Don't Starve. L'hiver, c'est synonyme de monstre. De peur du noir. Merde, non, je voulais pas taper le petit. Non, ça. Qu'est-ce qu'il avait dit? C'est gros, c'est lourd, c'est le bois. On va manger ça avant que ça pourrisse, hein. C'est vraiment dommage, je perds tout. Et j'ai embarqué mon chapeau histoire de perdre un peu de place. Bon, je vais remettre une bûche quand même. Histoire de découper cet arbre là tranquillou. Je rigole si ça fait pop un géant sur ça, quoi. Le géant inutile, tu sais. On me regarde, on nous espionne. Oh, toi t'es un peu plus méchant, toi. Allez, on est en hiver, les copains. La saison de la déprime. Bon. That's a problem. Là, ça y est, ça va commencer à neiger. J'ai toujours pas trouvé de traces. C'est la fin des haricots. J'ai trop l'impression que c'est des traces, ça, à chaque fois, putain. On s'en va de ce biome. Une trace, une trace, une trace. Bon. On va retourner au camp. On va commencer à planter un champ d'arbres. On va essayer de faire pop un géant pas loin du camp. Un arbre géant, hein, pas le géant de l'hiver. Je vous avoue que lui, si je peux éviter de le voir, ça m'arrange. Oh, il n'y a pas de trace. Donnez-moi une trace. Oh oui, ils sont mignons, les lapins blancs. J'oublie à chaque fois qu'ils sont tout blancs. Le lapin d'hiver. Lui, il a de la chance, on peut là, il change, nous. Walou, on doit mettre des habits. On doit se couvrir. Ah si. Seulement, je pouvais tomber sur une trace, bordel. Bon, bah, la trace, ce sera pas pour aujourd'hui. Allez, on va planter. On va se faire un genre de champ là-haut. Pour l'hiver, j'aurais dû commencer à le planter bien avant, mais bon, j'avais trop de choses à rattraper. Alors, tac, tac. Voilà, ce sera plus simple pour planter. Ah, c'est chiant. Allez, allez, plante, 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 plante. Ensuite, là, comme ça, bim, bim. Chester, il va gêner, comme d'habitude, il gêne. Casse-toi, Chester. Voilà. À chaque fois, je me fais avoir. Hop, on plante. La fleur, tant pis, on la laisse. Bim. Je vais laisser un petit espace pour histoire de mettre un feu de camp. Ah, décidément. Pour pouvoir couper pendant la nuit, hein, ce sera ça l'objectif.
Hop, et c'est déjà la nuit. Enfin, la soirée, quoi. Ok. On va encore planter, hein, écoute. De toute façon, on va passer nos nuits à couper du bois. Hein. Je suis désolé, mais l'hiver, c'est un peu ça, quoi. C'est... On reste au camp, on reste au camp. Yes, ça a pu pousser encore une fois. Du coup, j'aurai un peu de fruits. Les pingouins, youpi! Donc, je vous présente nos amis les pingouins, qui sont toujours en meute. Et qui sont très casse-couilles parce qu'ils n'arrêtent pas de pingouiner tout le temps. J'ai oublié de planter une graine ici, c'est pas très malin ça. Je vais pas planter de graine, ça servirait à rien. Ça va pas la détruire la graine, mais bon, quoi que. Sinon elle va périmer. Et si ça peut encore pousser un tout petit peu avant qu'il y ait de la neige. Donc on n'oublie pas notre objectif principal pour l'hiver, c'est récolter énormément de glace. Parce qu'on a, on a vraiment une map dégueulasse. Je vais poser mon chapeau là. Le bois, je vais le déposer, les vins, là, je n'en ai pas besoin d'autant. Je vais déposer les légumes et les fruits. Et surtout... On va prendre de la caillasse et on va aller faire un feu qui va durer pour toute la vie là-haut. Non, t'es pas sérieux, j'ai pas prévu un assez bon espace. Écoute. Ah, je peux pas. Non, c'est pas sérieux. Soyez gentil. Laissez-moi faire un feu ici. Fuck. Bon, pour l'instant, on va faire un petit feu normal ici. De la glace! Vite, la pioche! En fait, je sais même pas pourquoi j'ai fait un petit feu normal en dessous, puisque de toute façon, je vais pas couper le bois maintenant. On va vite retourner en bas. Ça pourrait être pas mal aussi que je chope pas mal de petits oiseaux comme ça. Donc tout va bien, il y a de la glace qui s'est formée, des icebergs qui se sont formés comme ça, il n'y a pas de neige, rien. Tout va bien. Et oui, il faut savoir que les icebergs, ils poussent comme ça. C'est l'effet de l'hiver, du froid. Avec le vent, tu vois, et l'eau près de la mer, comme ça, ça fait des tourbillons et ça forme des icebergs comme ça. Bienvenue dans Don't Starve. Hop, hop, c'est la nuit, c'est... la pleine lune, donc bah écoute, tant mieux. Donc vous voyez, ils font dodo, ils sont un peu moins bruyants quand ils font dodo, mais bon. On va se réchauffer un petit peu, tac, voilà, c'est bon. Lui on peut le couper déjà, donc on va le couper, histoire d'essayer de placer le feu de camp. Oh désolé petit narbrisseau, t'as pas eu le temps de... d'atteindre la maturité. Merde. A chaque fois je veux partir trop vite. C'est l'autre monstre là-haut qui fait ce bruit là. Il est mignon quand il dort, mais je vais pas me laisser. Comment dire, me laisser apitoyer. La pierre, on la repose. Allez, tac, du coup on peut poser les deux de pierre qu'il y avait là. Tac. J'avais un truc en trop, oui. Le rasoir. Avec quoi je le pose le rasoir? Je vais le poser par terre tout simplement. On va pas se prendre la tête. Tac, tac. On va refaire des outils en or parce que ben, j'aime pas du tout avoir des outils de base. Quoique j'ai pas, j'ai que ça en or là. Ok. Bon, on va jouer avec des outils de base en fait. Hein. Ok, on a chopé pas mal de glace, c'est sympathique ça. Et du coup, excusez-moi, c'est la fin de l'épisode. Moi, je continue, hein, je suis chaud patate. du coup, on n'avance pas du tout. C'est pas bien du tout, on n'a pas notre veste pour l'hiver. Et c'est très très chiant, ça va poser un problème.
Le monstre, écoutez, on va le laisser. Peut-être qu'avec un peu de chance, il aura une chance de rivaliser un tout petit peu contre le géant de l'hiver. Comme ça, j'ai à droite, j'ai les buffalo et le monstre. Et si jamais le monstre il pop à gauche, je l'enverrai dans les araignées et puis les cochons en espérant qu'il démonte pas tout. S'il pop à gauche, ça risque d'être un petit peu la merde par contre. Sinon, je l'emmènerai. S'il est à droite, ce sera le top parce que je pourrais l'emmener Buffalo, le monstre et au pire les araignées. Enfin, les araignées. Ouh. Les abeilles tueuses. Les abeilles tueuses, ça peut être pas mal. Donc voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, des commentaires. Je me ferai un plaisir de vous y répondre si vous avez des questions ou des critiques, des remarques ou des envies spéciales. Et surtout, abonnez-vous à la chaîne s'il vous plaît. Si ça vous plaît, que vous voulez que je continue à faire des vidéos, ça me motiverait énormément. Allez, je vous fais des bisous et à dans la prochaine vidéo.